Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Feel Good, de nouveau avec vous. Nous allons parler du sommeil aujourd'hui. Alors surtout, ne vous endormez pas avant la fin de l'émission. Restez avec nous. Nous allons vous donner des trucs, des moyens de mieux dormir. Et pour en parler, Carole Carat, spécialiste de beauté in et out, le bien-être à l'intérieur et à l'extérieur. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors, le sommeil, c'est tellement important. Le sommeil, c'est super important sur une journée de 24 heures. On est censé dormir au moins 8 heures, donc c'est-à-dire un tiers du temps, un tiers de notre vie. Sur 90 ans, on dort 30 ans. Donc c'est quand même énorme de bien s'en occuper. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert, le sommeil ? Le sommeil, eh ben, quand on dort, en fait, il y a toute une fonction dans le cerveau qui est activée, où on range les informations qu'on a accumulées dans la journée, on reprend des forces, on gère nos humeurs, on calme notre stress, on calme nos pulsions même, la pulsion qu'on a eue la veille, elle se calme dans la nuit, c'est quelque chose d'exceptionnel, et surtout, on reprend le matin, on est frais. Donc ça veut dire que ce sommeil, ce n'est pas simplement fermer les yeux, dormir, mais ça permet au cerveau de se régénérer. Au cerveau, aux cellules, au corps, aux pulsions alimentaires, à tout en fait, vraiment au cœur de se reposer. Ça régule, ça calme tout. On arrive même on était très énervé la veille, on arrive même à oublier et à passer l'éponge. On range dans des casiers très structurés, on mémorise ce qu'on a appris la veille. Ça, c'est très important, notamment pour les jeunes, hein, parce que là, on est en plein période de bac. Exactement, et des examens à l'université. Très tard pour réviser, par exactement. Exemple, si vous, les jeunes, vous révisez vos leçons en fait, d'examen la veille, vraiment, avant de vous coucher, plutôt que de voir un film, vous allez voir que dans la nuit, vous allez avoir le cours qui va revenir en boucle et le matin ça va être nickel, les réponses elles vont vous sortir, parce qu'en fait dans la nuit, et c'est ce que je recommande souvent, s'endormir avec un bon bouquin quand vous n'avez pas d'examen, un bon bouquin de développement personnel par exemple qui va nous faire travailler sur nous, sur les résolutions qu'on va se donner, et ben dans la nuit notre cerveau continue à travailler, tout à fait. Et parfois on trouve même la solution à quelque chose qu'on n'avait pas trouvé le jour, donc vraiment c'est très important. Et la mémorisation, on va ranger, vous savez, je vous avais déjà expliqué une fois qu'on a deux mémoires, la mémoire courte et la mémoire longue. En fait pendant le sommeil, le inconsciemment, l'inconscient va mettre dans les bonnes cases ce qu'il doit mémoriser. On sait qu'on a un examen demain, il va mettre le cerveau dans la case. Attention, ça t'en a besoin vite. Tu vas voir, quand tu vas t'en rappeler de cette question, tu vas la sortir. Et c'est exactement ça. Il a vraiment une capacité qui est très importante, okay, de régénération et d'ordonnement en fait, des choses importantes. D'ordonnancer les choses importantes. Ouais, exactement, okay. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour le sommeil. D'accord. Après, c'est important de bâtir un véritable rituel quand on va se coucher. Oui, c'est ça. Alors, vous nous aviez souvent parlé des rituels. Pourquoi c'est tellement important, après tout ? Bon, on pourrait faire ce qu'on veut et aller, quand on est fatigué, tout simplement, quand on sent les yeux qui se ferment, aller se coucher, peu importe l'heure. On n'est pas obligé de se coucher tous les soirs à la même heure. Non, ça, c'est sûr. Alors, il y a quand même des choses qui sont importantes. C'est que nous, pour les jeunes, les ados, c'est important qu'ils dorment un peu plus que les adultes, voilà, pour nous, pour nos enfants. Les ados, ils ont besoin de dormir entre 9 et 10 heures, ce qui n'est pas toujours leur cas. On voit qu'ils se couchent tard, parfois ils se lèvent tard, ça nous énerve, mais ils ont besoin de minimum entre 9 et 10 heures. Et les adultes, entre 7 et 8 heures. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser 23 heures. Parce que ce qui se passe à partir de 23 heures, se coucher heures, après nous, 23 heures. Exactement. Okay. On commence à régénérer à 23 heures, notre corps. Donc c'est important d'aller se coucher à 23 heures. Ensuite, le rituel, il est très important. L'espace chambre est très important. C'est-à-dire que de ne pas faire n'importe quoi dans sa chambre. On ne fait pas n'importe quoi dans sa chambre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important, vous voyez, quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel, l'espace, il est cocoon. Vous avez envie que d'une chose, c'est d'essayer le lit et de dormir. D'accord ? Même pas aller à la piscine. Donc c'est à peu près la même chose. Il faut que votre chambre, elle soit bien rangée. Elle soit aérée. Elle soit, votre lit soit fait. Que vous n'ayez pas à côté de votre lit, votre bureau, votre ordinateur, vos linges sales, etc. Non, c'est important que dans votre cerveau, le cerveau, il soit prêt à dormir quand il est là. Pas à se dire, ah, il faut que je range ça. Tiens, oh là, mon ordinateur, j'ai des mails qui m'attendent. Cet espace-là, il est là. C'est-à-dire que même dans la nuit, si vous avez... Ça fait partie du rituel. Ça fait partie préparer du rituel. La chambre. Parce que sinon, si vous avez tout à portée de main dans votre chambre, à côté de votre lit, vous allez être tenté dans la nuit de vous lever et de regarder vos messages. De vous lever, de regarder votre ordinateur. Ou même de ranger votre chambre. Dire, ça va pas. Alors que si vous avez dédié ça pour dormir et pas pour manger, pas pour travailler, pas pour même pas pour regarder un film. Je vous dis franchement, si vous pouvez regarder un film dans une autre pièce et venir vous coucher, mieux. Que pour vous coucher, c'est beaucoup mieux. Okay. Beaucoup mieux. Ouais. Donc, est-ce que ça a une influence, évidemment, sur notre beauté ? Ah, mais ça, c'est sûr. La première chose qu'on voit chez une personne, si elle a mal dormi, c'est ses cernes, ses poches, son teint, il est gris. On sent vraiment que les personnes sont fatiguées. Et surtout, les personnes fatiguées sont agressives. Agressives, colériques, font des pulsions alimentaires, parce qu'ils ont tout le temps faim. Oui, ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est juste de la fatigue.
Mais surtout, c'est surtout qu'ils n'ont pas un comportement qui est stable au niveau des émotions. Les gens qui manquent de sommeil, ils sont très vite stressables, j'allais dire. Mmh. On peut les stresser très facilement. Donc, vraiment, c'est une force de bien dormir. C'est une force. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes d'endormissement ou alors qui se réveillent dans la nuit, qui font des insomnies, ensuite, qui n'arrivent pas à s'endormir. Est-ce qu'on a des trucs? Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut prendre? Alors, des produits. Moi, je recommande surtout les produits naturels, d'accord? Tout ce qui est homéopathie, phytose, thé à la camomille, enfin, thé tisane. Tisane à la camomille. Okay. Attention, arrêtez le café. Souvent, les gens qui dorment mal, c'est des gens qui prennent du café jusqu'à 5h de l'après-midi. Non, moi, je recommande que le dernier café, on le prend à 14h. D'accord. Arrêtez donc tout ce qui est caféine, coca, etc. Fermez sa lumière, fermez ses rideaux. C'est important. Vous savez, vous avez entendu parler de l'hormone, la mélatonine. La mélatonine, elle régule les hormones, donc jour-nuit. Donc, en fait, c'est important que le cerveau, il voit quand c'est le jour et quand c'est la nuit. Donc, vous fermez tout quand c'est la nuit. Et le jour, vous ouvrez tout pour pas que votre... Un peu comme on faisait pour les bébés, pour leur apprendre à faire leur nuit. Mm-hmm. C'est la première chose. Ensuite, la respiration, la relaxation. Calmez votre rythme cardiaque. Vous avez eu une journée difficile. On ne peut pas passer de journée difficile à dodo, tout va bien. Non, il va falloir une adaptation. Vous pouvez faire aussi un bilan de ce que vous avez fait dans la journée. Alors, on le fait allongé dans son lit ou on le fait avant Alors justement, moi, ce que j'ai à côté de mon lit toujours, c'est un petit carnet. Et je sais que c'est important. Dans ce petit carnet, j'écris ce que j'ai fait de bien dans la journée. Donc, je suis en gratitude. Parce que la gratitude, c'est quelque chose qui nous met dans une position qui est super. Merci, je suis très fière de moi aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de super. Ou alors, je suis fière de mes enfants, ils ont fait quelque chose de bien. Mais au moins, je l'ai vu, je l'ai noté, j'ai remercié. Et ça aide à s'endormir. Ah ouais, ça aide à voir comment on progresse d'une journée par rapport à une autre. Et vous pouvez faire aussi la liste des choses que vous avez envie de faire demain. Mais ça sera demain. Et vous ne les gardez pas en tête. Parce que ce qui empêche de dormir, c'est quand on a quelque chose en tête et qu'on se dit « j'ai peur de l'oublier ». J'ai peur de l'oublier. J'ai peur de l'oublier. Je viens d'avoir une idée. Ou je ne sais pas comment la résoudre. Voilà. Alors, sachez que la nuit porte conseil. Et cette phrase, elle est vraiment vraie. C'est très palissade quand même. Si vous lâchez prise dans la nuit, souvent vous avez une réponse. Et je me rappelle d'avoir parlé avec Frédéric Lévy, qui nous avait vraiment prouvé exactement la même chose. Souvent, on a la réponse à un problème dans la nuit qui nous vient. Parce qu'on lâche et parce qu'on ordonne les choses. Donc, okay. Ça, voilà, exactement. Bon, bah en tout cas, voilà, on en aura appris encore un petit peu plus sur le sommeil aujourd'hui. On se retrouve, bien sûr, Carole, la semaine prochaine pour une prochaine émission Feel Good. Merci. Merci, Cathy. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.